Salut tout le monde, c'est Pixel, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de nos aventures formidables sur Coral Island. Juste avant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, bref, à cliquer sur la cloche pour ne rien rater les futures vidéos si vous ne l'avez toujours pas fait. C'est gratuit, c'est la cloche qui est en dessous avec... le petit s'abonner, voilà, c'est juste avec la souris, regardez, oh là là, la souris elle bouge, oh c'est formidable. Bref, j'espère que ça vous fait plaisir, moi ça me fait énormément plaisir. Alors je sais que normalement Coral Island devait sortir hier, mais vu que j'avais une grosse sortie, j'ai préféré le sortir avec Dredge. La semaine prochaine, eh ben, le... normalement on est quand là? Nous sommes quand? Le vendredi. Normalement le vendredi, là on devrait sortir Dredge aujourd'hui. Et Coral Island aurait dû sortir hier. Bref, vous avez compris, c'est pas grave. Allez, on y va les enfants. Allez, il faut suivre. Donc nous revenons avec impatience sur Coral Island. Oh là là, ça m'a manqué les enfants. Ça m'a manqué de fou. Ah, et le verre d'eau aussi, hein. D'une vitesse. Par contre, comment ça se fait que ça ne charge pas du tout? Bon, c'est parfait. Donc, au niveau des quêtes, on en est où? Nous avons les produits locaux, et vous voyez que ça commence à augmenter, je suis très content. Explorer l'océan, on a 12 sur 20. On y arrive tout doucement. Géant pétrifié 2, donc on doit libérer le géant de l'eau. Nous devons aller au village des géants, c'est vrai, on a oublié de faire ça. Les demandes d'Erika, bah là par contre, hibiscus, papaye et œuf, comment vous dire que je suis désolé, mais j'ai rien. Au niveau de la pêche, qu'est-ce qu'on va pouvoir améliorer? 50% d'appart en plus, 10% de chance d'obtenir de la meilleure qualité et augmente la chance d'attraper deux poissons à la fois. Oui, parce que c'est quand même bien d'avoir deux poissons à la fois. On a bientôt le combat au level 3. Nous avons bientôt chassé qui va être au level 6. Et ça va être une dinguerie. Une dinguerie de fou. Et la cueillette qui va bientôt être améliorée aussi, l'agriculture. Bref, beaucoup de choses. Je crois qu'on a du vent aujourd'hui. Et il va faire beau. On a eu un petit épisode orageux sur Coral Island. Un truc assez, assez vénère du Huc. Mais oh là 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 là! Mais tout se passe bien? Des tomates ketchup? Attendez, comment ça se fait qu'on a des tomates là? J'avais pris des tomates, je m'en souviens plus. Bon, c'est pas bien grave, hein, tu vas me dire, hein, c'est ce qu'il nous fallait, mais je crois qu'il en faut même pour la déesse. Je suis pas sûr. On va voir ça. Déjà, hop! C'est vrai qu'on a le miel aussi qu'on a posé. Ça fait vraiment plaisir de retourner sur Coral Island. Je sais qu'il y a des grands fans de la série. Je vous fais d'énormes bisous à tous ceux qui suivent cette série vraiment complètement différente des autres. Hein. Vous pouvez la commenter, hein. Il y a zéro sous, ça me fait toujours plaisir. Chaque fois quand vous commentez. Pour moi, c'est une dinguerie. Voilà, je vous le dis. Hein. C'est les épisodes de la dinguerie, les épisodes où on se prend pas de tête, où on a un petit peu chacun de notre côté... Nos propres, je pense, souvenirs d'enfance ou les trucs comme ça. Vous pouvez en parler, c'est vraiment formidable, moi j'adore. Bon, après je me chie au niveau de mettre de l'eau sur les plantes, mais bon, c'est pas bien grave. Ça, on va les garder. On va les garder, les trucs comme ça. Ça, on va les donner. Ça aussi. Ah non! Je vais en garder une. Voilà, parfait. J'en garde une parce que je sais pas du tout s'il faut que j'en amène une autre. On va aller voir ça. Balabalabam, bam, bam. Ça, c'est les poissons. J'ai fini les offrandes d'été. Oh là 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 là. Automne, il va y avoir les trompes de la mort, les figues, les orchidées, les citrouilles, le riz. Ça y va, hein. Ah oui, il y a ça à faire aussi. 5, 5, 5, 5, 5. On les a pas tous, hein. Culture rare. Non, mais on a plein de trucs qu'on n'a pas. On est naze, hein. Vous pouvez me le dire en commentaire. Bah après, je prends mon temps aussi. Donc bon. Ah oui, les légumes. On m'a fait remarquer aussi de mettre des panneaux devant chaque coffre. C'est vrai que ça pourrait être utile parce que en vrai de vrai, je suis un peu perdu.
On a du gombo mariné. Je vais le vendre. Je regarde, hein. On peut faire des panneaux. Ah, on a tout ça à les amener. Eh oui. Eh oui. Faut qu'on l'amène. Alors attendez, tac, tac. Ça c'est bon, ça c'est bon. Allez, zou. On va s'en occuper. Ça va nous coûter un petit bras. Parce que forcément, il va falloir payer pour les ouvrir. Hop. Ah, ça va être ouvert dans pas longtemps. Ça va, on n'a pas perdu beaucoup de temps. Qu'est-ce que je pourrais faire en attendant? On va essayer de pêcher. On va se pêcher un petit truc. Hop. C'est toujours chill. Il y a toujours un truc à faire dans Coral Island. Ah là là, le toutou. Le toutou qui s'en va. Hop. Le jeu. Ah, le jeu est formidable. J'adore ce jeu. J'espère que vous aussi, vous avez kiffé votre aventure ou si vous la kiffez encore. Il y aura encore plein de mises à jour, j'ai vu. Et contrairement à Fee Farm, que j'adore aussi, hein, mais Fee Farm, le problème, c'est que tous les ajouts, ils les font payants la plupart du temps, alors que Coral Island, tout est gratuit, quoi. Tout est gratuit de fou. T'as mâché le bouton. Un Vivano. Attendez. Ouais, c'est bon. Donc, il y a aussi de ça, tu vois. Quand moi, j'ai vu tout ce qu'ils ont ajouté sur Coral Island, j'ai fait non, dinguerie, quoi. Dinguerie, les mecs ils te font ça gratos. Zou. Alors, traiter la géode, traiter tout ça. On a ça. Putain, c'est 20 balles. C'est une dinguerie là. Ah. C'est une dinguerie tout ce qu'on a. What the fuck. Attendez. On a même le fossile à amener. Oh. Mais le fossile, il faut qu'on aille voir celle qui nous a donné la tenue de plongée, vous voyez. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Chang, je ne sais plus. On va aller voir ça. C'est ici. Ah, c'est Ling, voilà. Traité. Une griffe de mammouth. Oh, stylé. Petite griffe de mammouth. On va amener tout ça au musée, ce qui va nous permettre déjà, je pense, d'avoir un palier en plus. Donc d'avoir peut-être une petite récompense. J'aimerais bien. Ah oui, et on a... je peux pas le voir. J'étais en train de regarder. Il va falloir qu'on aille offrir un truc à Eva, c'est ça? Je sais plus. Bref, donner objet. Ça fait un petit moment. Alors ça, je donne. 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 On nous a donné du minerai d'argent et du varec d'argent. Yes. Regardez, je sais pas. Ah oui, il faudrait qu'on... L'épisode... Demandez-le-moi l'épisode du musée. Parce que le musée, pour le moment, en plus, il y a des parties qui sont pas encore ouvertes. C'est une dinguerie. Oh, j'adore ça. Ils ont fait un petit panneau. Non, je voulais voir le panneau. Merde. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, a new exhibit, Thunder Owl. Oh là là, j'adore en plus avec cette ambiance et tout. Et nous avons le festival du nettoyage de la plage. C'est trop bien. Calendrier. Bah oui, non mais c'est passé dans tous les cas. Nettoyage de la plage. C'est Eva, elle est où? Voilà, Eva. On lui a pas fait de cadeau, il va falloir lui en faire. C'est closed. Merde. Je sais pas si elle aime les donuts. Ou le grand café. C'est que ça fait cher hein, quand même. C'est quoi qu'elle aimait? Les cookies? On va lui prendre un cookie. Nanana, je crois qu'elle est là-haut. Oula, qu'est-ce qui se passe? T
Putain, il y a du monde qui passe à ce magasin. Par contre, en local, vous avez vu, c'est tout vide. Hein. Oh là là, c'est en train de se fighter. Toi et ta jambe de riche. Ok. Nouvelle insulte. Ça parle mal, hein. Heureusement, on a Sam qui revient avec un autre produit parce que... Allez, hop. Tout ça pour de la farine, hein. C'est heureusement que Pinin Farina n'était pas là. Merde, elle est pas. Ils sont partis, d'accord, ok. Alors il faut savoir que ça, ce sont des événements, je pense, liés à Eva, parce que on commence à. Ah bah elle est là-bas. On commence à être, on va dire, assez proche d'elle. Donc on a des petits événements au début qui n'ont pas trop rapport avec elle. Et plus ça va aller, plus on aura des. On aura des trucs avec elle. Mais là, ça, je peux le prendre. Nickel. Parfait. Ça aussi, un Varek. Parfait. On va parler avec. Ah, mais le nouveau musée est formidable. Mais on l'a pas encore vu avec les abonnés. Donc, j'ai dû ça. Ah, bah, c'est rien. Je suis juste tombé... Et ben voilà, et tiens, cadeau. Hop! Voilà, zou! Ça, c'est plié. C'était la chose que je voulais faire pour un petit peu gagner son cœur. Oui, ça serait bien de l'avoir avec nous, mais bon, pour ça, il va falloir améliorer notre maison aussi. D'ailleurs, il va falloir s'y mettre. Pourquoi il y a un escargot de sortie? On a des frises. Je sais pas comment ça se fait qu'on a des frises. Ça doit être moi, hein. Les frises doivent venir de mon côté. Il y a des chances. Oh là là. Ça, c'est parfait. Bon. Les poteries, on va pouvoir les vendre. Hein. En tous les cas, elles ont déjà été données, les poteries. Il faut qu'on regarde ça. Donner. Parfait. Donc, ça, je donne. Ça, je vais garder. Tout ça, je vais garder. Ça, je donne. Ça et ça. Ok, parfait. Ça va nous faire peut-être un peu plus d'argent. Je ne suis pas sûr, hein, de ça. Hein. Je préfère vous le dire. Non. Ici, on a ceci. Ah non, ça, on les avait mis là, je crois. Bingo. On les a mis là. Attends. On va y arriver. Je vais trouver. Hein. Ah oui, on a la géode aussi à ouvrir. On a oublié de les ouvrir. Hein. C'est une dinguerie, ça aussi. Donc, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Eh ben voilà. On est à 109... Varek en bronze. Je sais pas ce qu'on va pouvoir en foutre, mais... Je pourrais faire des panneaux. Alors, on m'a dit des panneaux. Hein. Je pourrais même faire ça encore. Hein. Des maisons de... Maison des abeilles. Ça pourrait être bien. Je vais m'en refaire une. On va faire juste ça. Ouais, parfait. Boum.
Je vais aller chercher des petites plantes. On a dit, on prend ça. 1, 2, 3, 4. Donc si, ça fait 3. Ah non, j'en ai même... Ouais. Voilà, parfait. 5. Vous allez comprendre pourquoi. Tout simplement parce que là, j'en mets une. Là, j'en mets une. Et ici, j'en mets une. Enfin, j'en mets 3. Voilà, parfait. Là, on va avoir une... Oh putain, la zone va être formidable. Hein. Le seul problème, c'est que j'ai peur, ça va être qu'en hiver, on n'aura plus rien qui va pousser, quoi. J'ai un petit peu peur de ça. C'est moi où ils ont... Ou alors, il y a une mise à jour, je crois, et les... Et le temps passe moins vite. Ça fait déjà 15 minutes et la journée n'est pas passée. C'est peut-être ça, en fait. C'est pas moi qui a des lags. C'est parce qu'ils ont changé, en fait. Non, dites-le moi. J'ai l'impression que c'est ça. Hein. Bon, déjà, je vais m'occuper de ça. Parfait. Voilà. Ça fait ça en moins. Je vais pouvoir m'en occuper. Voilà, parfait. Ça on vire. J'ai des graines. Les graines, c'est ici. Il va falloir que je m'en occupe. Hein. Vous inquiétez pas, on va faire des panneaux, vous avez raison. Les panneaux, ils sont où? Ah, c'est ça, panneaux en bois. Je peux en faire... J'en ai combien? 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7... 3, 4, 5, 6, 7. On va reprendre ça correctement. Ça, je peux le mettre. Donc ici, on va mettre ceci. Ah, le problème, ça va être que... Transférer. Parfait. Non, c'est pas ça. Voilà, bingo. Non mais même là, ça va pas aller. Ça va pas aller, il va falloir qu'on l'agrandisse en fait. Bam, bam. Vous allez comprendre. Parce que là j'en ai un de trop. Bon c'est pas grave, hein, ça va dépasser un peu mais... Voilà, on va le mettre sur 2. Parce qu'en fait, on va avoir le muret qui va être là. Bingo. Voilà. Et là, on a juste à mettre... Ah oui, non mais attendez. Paf. Paf. Et là, on va mettre les petits murs. Ça devrait aller. Le seul problème, c'est que vous voyez, vu que j'ai posé le sol, on voit plus mon sélecteur. Ah, au secours! Mon sélecteur n'est plus là. Allez, voilà. Parfait. Voilà, nickel. Donc, tac, tac, tac. Ça, c'est enlevé. Là, je vais mettre ça ici. Je vais remettre le coffre. On va tout changer. Donc là, on va dire que... Interagir, c'est tout ce qui est décoration. Merci à la personne qui me l'a dit. Hein, parce que j'y pensais pas du tout. Hein. C'est topissime, c'est formidable. Merci beaucoup. Donc, tac, avec ça. Et même là, je me suis chié, en fait. Même là, je me suis chié de fou. Je me suis chié de fou. Ah, de dingue, hein, là. Hein. Là, ça va, hein. ça va pas, en fait. Donc ici, c'est tout ce qui est fruits. Ce qui est dommage, c'est que ça m'enlève... Ah non, mais non, j'ai cru que ça m'enlevait hein, du matos. Donc là, on a les fruits.
Ça, ça vire. Bingo. Voilà, parfait. Et là, on a, on va dire, les trucs... Parfait. Yes. Yes, I. Qu'est-ce que je pourrais mettre, là? Tout ce qui est graines. Ok. Ça, ça va avec les butins. C'est trop bien. La, l'idée était folle, hein. Merci beaucoup. Voilà. Là, on a quoi? Ah oui, des fleurs. Je vais prendre une petite fleur. Bingo. Et là, on va se prendre le petit coffre. Merde, je me suis chié. Le petit coffre ici avec un panneau. Et là, on va mettre... Ben, c'est, toute, c'est la bouffe. Parfait. Yes, merci. Et là, on va prendre le bois. Le bois, ben, ici. Et voilà. C'est une super idée. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est vachement mieux, hein. On sait à peu près. Alors à peu près, hein, je dis bien, mais c'est top. Merci beaucoup. La personne se reconnaîtra. Hein. Désolé, voilà. Désolé, j'ai pas le nom direct. Mais la personne se reconnaîtra, c'est formidable. Merci beaucoup. Vous la reconnaîtrez en commentaire. Vous pourrez lui faire des bisous, la remercier, applaudir des deux mains. Parce que c'est une super idée. Putain, 1157, j'allais dire 59. C'est trop bien. Une bonne chose de fait. Alors, prévision météo. Grand soleil. Nickel. On a un petit message. Qu'est-ce que c'est? Je dois avouer que je t'écris parce que j'ai une idée derrière la tête. L'autre jour, alors que je faisais des vidéos, oh, on dirait moi, j'ai surpris plusieurs animaux qui se sont cognés contre une grosse bûche derrière ma maison. À chaque fois, ils tombaient et se faisaient mal. Ça m'embête de te déranger, mais pourrais-tu... couper cette bûche, je n'ai pas les bons outils, c'est pour ça que je demande... J'ai besoin de ton aide, Paul. Ouais, il n'y a pas de souci. Mais Paul, c'est qui? Où est Paul? Qui est... Ah, Paul. Ok. Alors... Il habite où? Ok, ici. Il a une... T'as une bûche derrière chez toi? Bon, on va y faire un tour. Mais avant, j'ai plein de choses à ramasser. C'est trop bien, regardez tout ce qu'on a. Hop. Là, c'est nickel. Je vais voir ce qu'on vend. Après, ça va être les fruits à vendre aussi. Nickel. Parfait. Il va falloir qu'on se fasse des arroseurs. Hein. Je vais voir si j'ai assez pour faire des arroseurs. Parce que ça me fait perdre un peu de temps, ça, le matin. Même si j'aime bien. Hein, y a zéro sous, ça. Alors. Des piments forts, je sais pas combien j'en ai des piments forts. Voilà, déjà on fait ça. Des piments, il faut que je regarde. Ça, ça vire. Ça, je prends. Quoique. Non, ça sert à rien. Ça, je garde. C'est pour faire la bouffe en fait. Ça va faire trois trucs, hein. Ouais. On va vendre. Je sais pas combien on va pouvoir les vendre, ceux-là. C'est 41 x 3. C'est pas beaucoup, hein. En vrai de vrai, c'est pas beaucoup, mais
Et là? Non. Oh, l'arbre! Oui! Un GG pour ça! Ça va être beau avec le verger. Ba-na-na-na. Je vais essayer de me TP. On va essayer d'aider Paul. J'espère que c'est derrière. C'est bien là, hein. J'ai bien capté. Oh! Je prends. T'as une bûche derrière chez toi? T'es sûr? Ah, celle-là! Ah, mais c'est ça! Pardon. Bam, parlez à Paul. Où est Paul? Il est là-bas. Merci! Et ben voilà, parfait! Quête terminée et on va aller au village. Village des géants, on doit y aller. C'est parti. On va le faire quand même parce qu'on n'y va pas depuis un moment. On pourrait avoir peut-être une surprise, peut-être un... Putain, mais il n'y a que de ça. C'est une dinguerie. Ils ont fait une mise à jour, hein. J'en suis sûr. Pour qu'on ait des mini-freezes comme ça. Parce qu'au départ, je pensais que c'était mon PC, mais il a rien là de démarrer et tout. Et j'ai le moniteur à côté et je suis à plus de 200 FPS, donc c'est bien. Ça, c'est bon. On a aussi nos géodes, hein, qu'il va falloir qu'on s'occupe. On a dit le village, donc il faut qu'on aille à la ferme. Parfait. On va peut-être avoir des dingueries. Merde. Le mec, il court dans le vide. Il va falloir que j'enlève aussi toutes ces espèces de rebuts qu'on a. Ah oui, c'est vrai, il y a ça à prendre. Oh là là, mais attendez. Je reprends un petit peu parce qu'on utilise tellement de fleurs maintenant qu'il va falloir en récupérer. Voilà, c'est parti. Ah. Bah, il nous avait dit de nous retourner la dernière fois, je crois, de mémoire. Ça marche pas? Ah ouais, zut. Ah oui, d'accord. Bon. On s'éloigne. J'avais raison, il fallait pas regarder. Est-ce que là, ça va? Voilà, on ferme les yeux. Oh là là. Eh ben voilà. Je ne les ai pas fermés, j'ai tout vu. Non, non, ils sont restés fermés tout du long. Ah ouais, bah merci. Bah dans ce cas-là, fallait l'ouvrir avant que j'arrive. Ah oui, il court dans le vide. Oh, c'est chouette. C'est chouette de fou. C'est moi ou on n'est pas là? Sa maison du... Ouais, non, mais oui, mais... On est où? On est où? Oui, je... Alors, je veux bien... On se voit pas. On a disparu. Apporte outil à Grog et Grog les améliorera. Hein. Ah, il va pouvoir améliorer. Alors attendez. On va attendre que tout ça parte. Ok, il va pouvoir améliorer nos outils. On va pouvoir enchanter. À quoi sert l'enchantement des outils? Les améliorations appliquent des effets spéciaux à vos outils et les armes. Pour démarrer l'enchantement, sélectionne l'arme ou l'outil que tu veux enchanter. Place le montant approprié de gemmes. Artefact ou de fossiles pour alimenter. D'accord.
Et si l'enchantement est à conserver sur l'arme. Bah ouais, je veux bien, mais j'ai rien pour enchanter, moi. C'est qui que je dois aller voir pour enchanter les outils, là? Il y a un coffre ici à récupérer, ou... J'aimerais bien avoir... parler. C'est qui que je dois aller voir pour enchanter mes outils? Ah, voilà, c'est ça. Regardez, je peux les enchanter. Donc là, si je fais ça... Boum, enchanter outils. Butin de coup. Chance pour que le coup fasse apparaître des objets. Intéressant. On va le faire pour les autres. Butin rare. Augmente la chance de trouver un butin rare. Ok, ça peut être utile, mais sur ce genre d'outil, c'est un... Frappe rapide. Diminuer la vitesse d'utilisation. Ok. Le double pour ça, ça serait bien. Butin supplémentaire, ben voilà, merci. Et là, que ça soit plus rapide, ça serait bien aussi. Frappe rapide. Et ben voilà, on a amélioré tous nos outils de base. Yes, quête terminée, on récupère l'argent. Et ben voilà, bingo loto. Ah oui, on peut pas se TP d'ici. Eh oui, c'est vrai. Attends, il n'y a pas de TP. Non, il n'y a pas de TP. Il y a sa maison, on peut y aller dedans. Non. Il vit comment? Oh, c'est tout mignon. Salut. Ok, bah parfait. De toute façon, c'est le premier qu'on a sauvé, donc... il est chez lui et tout, tranquille. Et je parie qu'on peut pêcher, là. Ça se trouve, ils ont des poissons de fou. Non, je peux pas. Un peu plus. Non, on peut pas pêcher, ici. Je suis déçu. Bon, on a le matos amélioré. Bon, c'était une quête, hein, forcément. On nous l'a offert, mais les prochains vont pas être offerts. Ça va être une dinguerie. On peut pas améliorer, par contre, le... tout ce qui est canne à pêche et filet. Je suis un peu déçu. Ça, j'ai envie de m'en occuper. Ça me rend fou, ça. Ça me rend fou. Voilà, merci. Hein. Ah, de voir du... Oh là 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 là, ça me rend fou. Faut que j'arrive. Hop, voilà, tac. Au secours, mais... Il y en a d'autres? Ouais, il y en a d'autres. On va enlever quand même toutes les ordures. Je veux bien qu'il y ait de la forêt et qu'on a tout ça à faire, mais là, des ordures, au secours, quoi. Oh, mais attendez, mais il y a un truc pour pêcher ici. D'ailleurs, la prochaine mise à jour va être de fou. On va avoir enfin la cave, plein de nouvelles façons d'améliorer ta maison. Énormément de choses. C'est dingue, la prochaine mage, elle va être folle. Elle va être folle de fou. Ça me tarde. Je sais pas si vous avez fait gaffe, la maison sur la droite, il y a une espèce de porte qui mène à une cave, et ben ça va être fait. Il va y avoir des... attends, de ce que j'ai vu... des nouvelles améliorations au niveau de la ville... j'aimerais bien des nouveaux festivals, mais j'ai pas trop regardé ça. On va avoir des nouveaux animaux. On va même avoir des dinosaures. Ça va être trop bien. Des dinosaures, on va pouvoir transformer certains animaux en dinosaures. Voilà, ça m'a bien fait rigoler. Mais plein de choses comme ça. Des nouvelles recettes, des nouveaux... Enfin bon, bref, vous avez compris, le jeu est dingue. Et tout ça gratuitement, avec le mode multijoueur. Ça va être fou. Alors moi, c'est le genre de jeu que je joue solo, mais... en mode multijoueur, ça peut être vraiment sympa pour ceux qui aiment bien. Putain, je m'attendais à ce qu'il y ait des dingueries ici, mais il n'y en a pas. Bon, peut-être quand il pleut, peut-être qu'on aura des dingueries sur ce lac. Des ordures, voilà, formidable. Je ne sais pas trop à quoi ça va me servir, mais bon. On a quand même 519 points d'énergie. Ce serait bien d'être à 1000. Ce serait bien, ce serait trop bien. Allez, oula, 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 oula. Là, ça a l'air d'être de la dinguerie un peu plus, là. C'est une écrevisse. Ça, c'est une écrevisse. Ça, je le sens bien. C'est comme à côté. On a notre petit point d'eau, là, à côté de la maison. Ça doit être la même chose. Bingo, une écrevisse. Voilà, j'avais raison. Bon, il n'y a rien de spectaculaire. Je m'attendais à des dingueries, mais non. Tiens, ça, je vais le péter.
Ah oui, on tape vachement plus vite. Vous avez vu cette dinguerie? C'est ouf. Bon, par contre, ça utilise énormément d'énergie, hein. Nah, merci. Ah, quoique, attendez. Voilà. Enfin, ça donne pas beaucoup, hein. Pas plus que ça. Le gombo, il est en train d'être fait, de ce que je vois. Ça, on va poser. Ça aussi. Ah oui, on a les ordures aussi. Ça, je pose. On va aller vendre le reste. Ça, non, quoique, non. Ça se met ici. Parce que tout ça, ça sert pour les animaux, en fait. C'est pour ça que je les mets ici. Ça ici, et on va s'occuper du reste. On va attendre que les trois soient finis de gombo. Bam, bam. Une bonne chose de faite. Et en bas, eh ben, ça se fait tranquillement avec les arbres qui sont en train de pousser. Alors, ça, c'est plié. Ce qu'il va falloir... Déjà, les relations... Ah oui, il va falloir que j'amène un truc. C'est vrai. Alors, attendez. Qu'est-ce que j'ai que je pourrais lui amener? Je lui ai donné mon miel d'hibiscus. On va voir comment elle va le prendre. Elle est où? Elle est au boulot. Est-ce que je peux me TP? Je peux me TP au musée ou au quai de plongée. C'est dommage que je peux pas me TP ailleurs dans la ville, mais bon. Écoutez, on y va. Comme ça, j'aurais offert ces petits trucs. J'espère qu'elle va aimer, hein, qu'on lui amène notre propre miel. Hop. Un jour, je vais avoir une grande maison avec une grande cuisine pour couper les légumes. Ah oui, d'accord, pour couper des légumes. C'est quand même un peu overkill. Ouais. Ah, ça, c'est intéressant. Ah. Elle parle de nous. De quoi, mais ça lui a pas plu? Nana, je t'offre un truc de fou! Mais! Mais, ah, je dis ça aux filles qui suivent la série. Si quelqu'un vous offre, je sais pas, imaginez, vous avez quelqu'un que vous appréciez qui fait, je sais pas, sa propre bière ou son propre miel ou etc. qui vient vous l'offrir, vous êtes contente, vous êtes pas... Enfin, moi, je sais qu'on m'offrirait ça, je serais content. Bref, c'était juste pour dire ça, quoi. C'est, elle était en mode, oui, mais bah, ça va, je t'offre pas du caca non plus. Ça commence à baisser dans mon estime, ça. Putain, on a 655 ordures. Ah oui, et on a dit qu'il fallait qu'on voit au niveau de ça. Est-ce que je peux, avec un peu de chance, oui. Ah oui, mais je vais pas pouvoir en faire beaucoup. Comment je fais de la ferraille? 2 déchets pour 2 de ferraille. Il me faut de la ferraille. J'en ai pas beaucoup. Tac, tac, tac. C'est pour ça qu'il en faut beaucoup des déchets, vous voyez. Parce que ça, c'est violent du huc. Ok, donc ça, quand ça va être fait, je vais voir. Attends, il m'en faut 4. Avec un peu de chance, hein. 1, 2, 3. Il manque de la ferraille. Il me manque de la ferraille, les enfants. Alors, j'avais calculé pour que tout rentre correctement dans l'ordre. Attends. T'excites pas. Voilà. Avouez que c'est stylé là, hein, ce que j'ai fait le petit. Attends. J'ai mal. Merde. Ouais, ça a été mal calculé ça. Ah, mais non. Mais non. C'est moi qui l'ai mal posé. C'est moi qui l'ai très mal posé, ça va là. Voilà.
Et donne-moi vite fait mon merdier là. J'ai 3 de ferraille en plus. Non. Ah merde, j'ai mis là. Bon, c'est pas grave. Ferraille. Mais en fait, c'est ça que je voulais. Voilà. Il nous en faut 5. Je peux faire un leurre avec ça. Ça fait quoi ça? Ah oui, c'est pour qu'il attaque, ouais. Ça va être long là s'il arrive pas à les faire là. Il va falloir qu'on dorme. Bon bah écoutez, hein, on va dormir et on va s'occuper de ça après. Et on va essayer d'aller un petit peu dans la grotte. Il va me falloir du minerai d'argent. Là je l'ai utilisé. Ah, Paul, bah, Paul a bien aimé qu'on l'aide. Et bah tant mieux. Tant mieux Paul. Mon petit Polo. Grand soleil, moi je veux qu'il pleuve. Au secours, s'il vous plaît. Un minimum. Ah, il y en a deux qui n'ont pas été... Ouais, oh là là, regardez les arbres qui sont en train de pousser. Formidable. Je suis désolé, hein, je suis comme un gamin. Mais ça me rappelle tellement mes jours d'été quand j'étais un gamin. Je vais reprendre le combo parce que je crois que les 3 ont été faits. Ok. Il me faut de la bouffe. Non, le mec il pose le gombo mariné et il va essayer de construire le reste avec... Non mais, au secours. Voilà, je suis très fier de moi parce que ça faisait un moment hein, que je voulais les faire cela, hein. Rappelez-vous. Hein. On est le 24, avec de la chance peut-être, peut-être, peut-être... Non, c'est où? C'est là. C'est où la ferme? Pourquoi j'ai mis ça? Ah bah oui, mais je me fais avoir. Non, c'est ça. C'est ça par contre, les panneaux... Alors, c'est une bonne idée, hein. Mais s'ils bougent à chaque fois, ça va être embêtant. Ah merde, il faut que... Ça va être bien comme ça. Regardez le nombre de cultures en plus que je peux mettre, hein. Voilà. Nickel. Je pourrais mettre de l'engrais aussi si j'en ai. Je sais pas du tout ce que je plante parce que ce sont des graines complètement aléatoires. J'espère qu'elles auront le temps de pousser. De l'engrais. Est-ce que j'en ai? Je crois pas. Il me faut de l'engrais. Ouais. Un, deux, trois. Bon, je sais pas, on va en faire un. On va en faire 25. Est-ce que je peux passer par là? Ouais. Ouais, ça va être nickel, j'ai bien géré. Je pensais qu'avec les arbres, ça allait être... Hein. Ok, ok. Ça devrait aller, là. On a fait une culture... culturée, hein. Bingo! Alors, je suis en train de me demander. Ouais, on va quand même les arroser parce qu'autrement, elles vont pas pousser pendant un jour. Oh là là, la vitesse. Regardez la vitesse, hein. J'ai amélioré la... Oh là là, c'est une dinguerie, hein. C'est une dinguerie de fou, hein. Ok.
Raté. Il va peut-être falloir se chercher des fruits de mer. Allez, tiens, je vends mon engrais, je suis un dingue. Juste pour voir combien ça vaut. Je vais chercher... ça, ça a poussé ou pas? Non, c'est... Bref. Est-ce qu'on a les noix de coco? Non. Parce que ça fait un moment que je suis passé à côté. On devait aller dans la grotte, mais si je peux avoir un vitesse V... Et pour ça, ça va être... ça va être facile. Je vais reprendre quand même ça. Parce que les fleurs, je parie qu'on va tout perdre. Ça nous en fait deux déjà. Bingo. Voilà, déjà, on a un truc de miel rempli à fond. C'est considéré comme un truc de mer, ça ou pas? J'espère que oui. En vrai de vrai, j'espère que oui, parce qu'autrement, il va falloir aller dans l'eau. Ça, je prends. C'est juste pour gagner du temps, en fait. Paf, paf, paf. Là, il n'y a rien. Je pense qu'on aura plus de chance là-bas, sur la deuxième plage. Et normalement, ça devrait être bon pour avoir nos merdés. Là, on est vraiment en mode, on s'occupe de notre jardin. Parce qu'on n'y passe pas beaucoup de temps. Et là, je trouve qu'on a bien amélioré. Je suis quand même assez fier de moi. Oh, on a quoi? Un varech. C'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Ah, mais il y en a plein, là. Non, c'est raté. Ouais. Oh, le coffre! Parfait. Mais il n'y a rien. Hein. D'habitude, il y en a plein. Et puis là, zou les artignans, on n'a rien. Tiens, hop. Je vais me TP. On va voir si on peut maintenant. Non, c'est pas considéré comme un truc de la mer. Bon, eh ben écoutez, ça vire, ça vire, ça, ça vire. Allez hop, on vire tout. Eh ben j'aurais pas. J'aurais pas, je suis un peu déçu. Et là, je regarde, on est à... là, il m'en faut 5, là, il m'en faut 5, là, il m'en faut 5, là, il m'en faut... Rien du tout, ça, ça se vend. Je sais pas pourquoi je les ai gardés, ça se vend. Bingo! Ok. Alors. La bouffe. La bouffe, j'ai foutu là. C'est vrai qu'on a ça. Ça, c'est une dinguerie. Hein. Vas-y, toi. Allez, donne-le-moi. Il va pas me le donner. Il veut pas me le donner. Bon, il me le donne pas. Ça me fait 2 de miel. Eh ben, regardez. Ça va nous faire un peu de thunes. Pas beaucoup, mais un petit peu. Quoique, j'aurais même pas besoin de prendre quoi que ce soit. On n'aura pas le temps, dans tous les cas. Eh ben. Non. Bingo. On a quand même 14 000 balles. Hein. C'est pas beaucoup, hein, parce que je pense que les prochaines améliorations, elles vont être bien plus chères que 2000 balles. Oh, ouah, la vache! On a de la chance directe. Regardez-moi ça. Attendez, tac, tac. Voilà, parfait. Oh là là! Si ça, c'est pas beau! Oh, le nombre de minerais! La dinguerie! Attendez, il y a peut-être des bestioles. Hein. Oui. La dinguerie!
Faut que je fasse gaffe parce qu'il y a l'effet domino à chaque fois. Et vous voyez là. Là c'est un peu plus dur là. Voilà. Les roches sont un peu plus grosses, hein. Je sais pas si vous voyez mais... Ça va être compliqué d'aller en bas. Il va falloir améliorer tout ça. Hein. Parce que là pour le moment on n'a rien d'amélioré mais il va falloir déjà améliorer notre matos level 2 hein, déjà. Ah ouais! Oh bon, on a une géode. Déjà ça. Au secours! On a rien! Est-ce que ça vous dirait de me pas... De... Ouais, non mais... Regardez, j'ai vidé toute la zone! S'il vous plaît, y a pas un petit passage là? Non? Ah la vache! Ah bah oui, merci quoi! Merci beaucoup! Je vous adore! Voilà, merci. Oh là là, les monstres! Oh putain, il fait mal lui! Ils m'ont donné quoi? Rien du tout! La zermie totale. Ah ouais, non mais... Au secours. On a pas de chance, hein. On a pas de chance de fou, hein. Vous avez rien à me donner, hein. On est d'accord. On est d'accord. Rigolez pas, s'il vous plaît. Je vois derrière votre écran où je suis en train de galérer. Ce n'est point drôle. Ouais, j'ai plus rien. Allez, on se casse. Bah oui. J'ai 77 points de vie d'énergie. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on a quand même 29 minerais. 29. On peut se faire presque 4 lingots. Il faudrait qu'on regarde combien il faudra de lingots pour évoluer notre matos. Hein, mais je pense que c'est pas encore. Hein. C'est pas encore, mais c'est déjà ça. Non, ça, ça va pas là, ça. Tac, 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 tac. Donc ça, c'est bon, c'est fait. C'est ici. Boum, boum. On en a deux. Les graines. Ici. Les fleurs. Là. Oh là là, regardez. Regardez le verger. Oh, c'est en train de pousser tout doucement. Très fier de moi. En vrai de vrai, je suis très fier. Hein. Très, très fier. Parce que c'est ce que je voulais, vraiment un truc, un vrai verger avec les petites abeilles qui font cuit-cuit, voilà. Et ben voilà les amis, oh on a amélioré la cueillette avec le coffre en bois, on va pouvoir changer tous nos coffres. Oh les dingueries de fou, formidable. Eh bien écoutez les amis, j'espère en tout cas que ce petit épisode vous a fait plaisir, moi il m'a fait énormément plaisir, on a bien évolué. Bien, bien évolué, il fera beau encore une fois. Et lors du prochain épisode, on passera en automne. Voilà, allez, je vous fais d'énormes bisous, j'en remercie tous et j'attends avec impatience vos commentaires. Salut tout le monde!